Bonjour chers amis, nous sommes à la Fête du Livre édition 2018 et nous sommes avec une big star, Jean-Claude Guégan. Bonjour à tous. Bonjour à mon tous. Ami, comment ça va? Eh bien écoutez, ça va depuis l'année dernière, hein. Ça fait un an que nous ne sommes pas vus je crois. Et voilà. Et c'est toujours avec une joie immense que je vous reçois sur mon stand. Et voilà, et de pouvoir aussi parler de Toulon, des auteurs. Et pour vous, je sais que c'est très important, c'est les ouvrages des enquêtes policières. Voilà. Enquêtes policières qui sont un subtil mélange de vécu et de romancé. Hein. J'ai été par le passé officier de police et donc il y a une approche, on va dire, assez cartésienne. Et puis j'y ajoute mon imagination et ça fait cette série de romans policiers, thriller parfois. Voilà, donc on va en parler en quelques mots, on va les présenter aux téléspectateurs. Donc on a d'abord Les Retrouvailles, attention ici, Les Retrouvailles, La Part du Diable, Adultère en Chute, Comment inspirer, Mode d'emploi, Nostradamus, Bouza Maria. Donc tu es devenu prolifique dans les mots hein, et dans les histoires, non? Oui, on dit que je suis prolifique, oui, effectivement. Sachant que j'ai créé un personnage, hein, Benjamin Lecomte, au début de l'aventure. Et ce personnage, bien sûr, on le retrouve dans chacun de mes romans. Et c'est donc une très longue aventure avec lui. On s'est écrit à la première personne du singulier. Donc les lecteurs, tout de suite, s'identifient dans un premier temps. Et puis s'engagent dans les aventures, les enquêtes assez extraordinaires de Benjamin Lecomte. Et pour leur plus grand plaisir, hein, c'est pour ça que j'ai un lectorat assidu, on va dire, et qui me suit depuis de nombreuses années maintenant. Voilà, bah écoute, on va te souhaiter plein de bonheur. Aujourd'hui, c'est la journée réservée aux élèves, donc de partager avec la jeunesse. Absolument. Et après, avec les lecteurs varois, parce que tu es un peu notre lieutenant Colombo du Var. Hein. Merci pour la gratification. Oui, mais écoute, là, pour moi, c'est un peu comme ça. Et on va te souhaiter plein de bonheur. C'est très gentil. On rappelle ton éditeur aussi qui... Alors, j'en ai deux. J'ai deux, les deux. Les Passes du Midi et Émergence. Voilà, donc voilà. Donc, on te souhaite plein de bonheur, Jean-Claude. Et force à la vie. Hein. Et beaucoup de dédicaces. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Je te remercie pour ton accueil.